C'est toujours avec plaisir qu'on reçoit Caroline Bernier périodiquement pour nous parler de Simply for Life. Bonjour, Madame Bernier. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre. Quand on se présente chez vous, là, est-ce qu'on a besoin de prendre un rendez-vous longtemps, longtemps d'avance? Comment ça fonctionne? Non, c'est ça. Je pense que je l'ai peut-être déjà dit un peu plus tôt. Quand les gens téléphonent, là, le maximum que ça peut aller, là, ça peut prendre une semaine avant que je puisse les voir pour la première fois. Sauf que c'est ça, en fait. Je reçois mes clients là, 5 jours sur 7. Ouais. Je suis ouvert même 3 soirs semaine jusqu'à 20 heures. Il y a même les mercredis matins que je me rends à Saint-Hubert, à la Coop Santé, où est-ce que je peux recevoir les clients qui sont plus loin, qui veulent moins se déplacer à Rivière-du-Loup. Fait que les mercredis matins, de 9h à midi, à la Coop Santé à Saint-Hubert. Okay. Puis avec des horaires de soirée qui permettent aux gens qui travaillent toute la journée. Beaucoup, c'est fort populaire. Les gens, après le travail à 5 heures, là, ils aiment bien ça, ou les jeux du soir en allant faire les commissions vers 7h, entre 7h et 8h, c'est bien populaire aussi. La fin de semaine? Fermer la fin de semaine. Un petit répit. Ben oui. donc, on est ouvert 5 sur 5. 5 jours sur 7. Avec desserte aussi à Saint-Hubert. À Saint-Hubert, le mercredi matin. Vous m'avez déjà dit que vous vendiez aucun supplément dans votre clinique. Donc, est-ce que vous avez des produits à vendre? Oui, quelques-uns, de plus en plus. Je dirais que depuis les dernières années, là, on a un petit peu évolué là, sur la vente de certains produits. Mais c'est ça, comme je disais, aucun supplément alimentaire ou ni protéines ou produits là, miracle. Là. C'est vraiment, on fait. Oui. Et puis, c'est vendu chez nous. Donc, ce que vous vendez, c'est du... On entend souvent ça. Là. J'adhérerais pas à un programme en plein milieu de l'été. Oui. J'adhérerais pas à un programme au mois de décembre. On va... un peu abuser des bonnes choses, la rentrée scolaire, ainsi de suite. Fait que si on se trouve des restreintes comme ça, des contraintes, si on peut dire, on n'adhérera jamais. Ouais. Là. Fait que faut vraiment, aussitôt quand on est prêt, puis justement, j'incite les gens à adhérer près du début de l'été, parce que souvent l'été, c'est là qu'on reprend des livres. Bon, là, il y a des gens qui vont dire, non, moi, je suis plus actif, mais hein, il y a les barbecues, les petits drinks sur le bord de la plage. Puis la plupart des gens vont dire, oh, ben, c'est correct. Hein, Mais en même temps, oui, c'est correct de s'en permettre. Faut pas attendre de perdre 30 livres. Là. Non, c'est ça. Puis je me dis, ben ça prend pas grand-chose des fois, des petits changements tout petits qui peuvent permettre de perdre quelques livres dans l'été, chose qu'on n'aurait pas fait si on n'avait pas adhéré à un programme alimentaire. Madame Bernier, merci beaucoup. Bienvenue. Caroline Bernier de Simply for Life.